j'avais jugé mes premiers Jeux équestres mondiaux, après avoir accumulé des années d'expérience à juger de multiples championnats d'Europe, championnats du monde des jeunes chevaux, finale de Coupe du Monde. Donc la préparation a été faite depuis de longues, longues années et c'est vrai que c'était un honneur pour moi de participer au jury de ces Jeux équestres mondiaux. J'ai particulièrement envie que tout se déroule au mieux, tant sur le plan sportif bien sûr, que sur le plan du public, pour les juges, bien sûr pour les chevaux. Dans chaque domaine, je me sens concernée. Et peut-être si ça se déroulait ailleurs, j'aurais un petit peu moins d'attente, en me sentant un peu plus éloignée de toute cette équipe qui travaille depuis des mois et des années pour les préparer. J'ai encore quelques compétitions importantes que j'ai choisi de juger. Je pense que quand on juge, il faut toujours rester très présent pour pratiquer beaucoup son jugement. Mais je ne suis pas de ceux qui souhaitent juger toutes les semaines. J'ai aussi besoin de pouvoir prendre mes distances en continuant mon travail de coach, de faire travailler les chevaux, que ce soit à la maison ou avec des élèves. Donc j'aurai quelques autres activités qui vont continuer d'ici cette semaine du mois d'août.